C'est une première départementale à Saint-Paroltertre. Une crèche inter-entreprise vient de voir le jour. La commune et le centre commercial voisin sont tous les deux parties prenantes du projet. L'établissement a été inauguré vendredi après-midi. Après plusieurs années d'attente, particularité de ce programme, cette association publique-privée pour apporter une solution d'accueil aux enfants des salariés et des habitants de la commune. Désormais, 25 places sont disponibles pour faciliter la vie des parents qui travaillent dans la zone. Reportage Martial Roche et Damien Ardois. Les petits accueillis ici ont souvent le même âge que la structure, c'est-à-dire à peine quelques mois. Mais la crèche pas trop clienne était dans les cartons depuis plusieurs années. Pour la faire naître, il a fallu que la ville conclue un partenariat avec l'enseigne Leclerc, toute proche. Il y a quand même quelques années que nous réfléchissions sur la création d'une crèche pour justement répondre aux besoins des familles. Quand on voyait l'investissement qui était nécessaire, ça devenait voire l'impossible actuellement. Sans leur partenariat, je crois que nous serions encore à la recherche d'une crèche sur la commune. Je paye ma redevance de 10 berceaux à l'année et je suis tranquille. Je ne m'occupe ni du personnel, ni de l'établissement, ni d'investissement, ni de fonctionnement. Coût de l'opération pour la commune, 110 000 euros par an. C'est une société privée du nord de la France qui a ouvert ici son 25e établissement. Elle gère tout de A à Z. La crèche des Petits Pas a pu voir le jour grâce aux efforts communs de la ville et du groupe Leclerc. Le distributeur cherchait également un lieu pour héberger les enfants de son personnel. Ça permet d'offrir un service de proximité ici aux familles en leur offrant la capacité de déposer leur enfant le matin tôt et puis de les reprendre le soir. C'est une praticité et puis un confort, je pense, de travail aussi. S'ils doivent venir rapidement, ils sont tout prêts, ils sont à 200 mètres du magasin. Donc pour eux, c'est un gage de sécurité, de tranquillité. La crèche compte 25 places, 10 pour la commune de Saint-Paroltertre, 10 pour le centre Leclerc et 5 à disposition d'autres entreprises. L'établissement est né en 4 mois à peine dans un hangar de la zone commerciale. Il bénéficie aujourd'hui des techniques modernes de crèche. On a longtemps parlé de garde d'enfants, là on parle d'accueil. On est dans de l'accueil, dans la prise en charge individualisée de chaque enfant par rapport à ses rythmes, ses besoins propres. Et on sait aussi que derrière un enfant, on accueille aussi une famille. J'habite près d'ici, j'habite à sympa, ouais. C'est pratique, c'est près de chez moi. Il y a tout le confort moderne, c'est très bien. Simplement parce qu'on est juste à côté et puis c'était super pratique. À 5 minutes de la maison, c'est top. C'est très souple au niveau des horaires, donc non, c'est bien. 6 mois après son ouverture, le bilan est très positif. Toutes les places octroyées à la commune et au centre commercial Leclerc ont été prises. Des demandes ont d'ores et déjà été faites pour l'année prochaine.